day. There's an ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Me revoilà. La plaque de foi aérienne envoie un signal de détresse. Vous l'avez cassée, n'est-ce pas? Voilà, essayez voir. Je ne croirais jamais ce qui est arrivé. J'étais là, par terre, vous pensez que j'étais vivant. Cette plaque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre adiposité. Je vais augmenter le poids maximum de quelques zéros. À propos, vous avez l'air en forme, très svelte. Essayez donc. Un oiseau dingue, non? Et donc, vous avez visiblement dépassé son seuil de charge. Bravo. Je vais plutôt baisser le plafond. Quelle classe! Vous avez toute la grâce d'un aigle qui pilote un dirigeable. Le prochain test va vous plaire. Je vais me rendre à la surface. Il fait un temps superbe. Hier, j'ai vu un cerf. Si vous venez à bout du prochain test, je vous autoriserai peut-être à prendre l'ascenseur jusqu'à la salle de repos pour vous reparler de la fois où j'ai vu un cerf.
bien voilà, c'est gagné. Je n'ai pas vu le cerf aujourd'hui, j'ai vu des humains. Mais avec vous, j'ai tous les sujets de test qu'il me faut. Ces ponts sont faits d'une lumière naturelle que je pompe de la surface. Si vous frottiez votre joue contre l'un d'entre eux, vous auriez l'impression d'être dehors, le visage baigné de soleil. En outre, vos cheveux s'embraseraient. Je vous déconseille donc d'essayer. Essayez. Excellent. Vous êtes une prédatrice et ces tests sont vos proies. À propos, j'ai réalisé des recherches sur les requins pour un futur test. Connaissez-vous d'autres créatures qui tuent leurs bienfaiteurs? Les requins, vous dites? Erreur. La bonne réponse est personne. Personne sauf vous n'a cette cruauté gratuite. Bonne nouvelle, j'ai trouvé comment investir l'argent que j'épargne en recyclant le volume d'air qui vous est destiné. À votre mort, je vais faire plastifier votre squelette et vous accrocher à l'accueil. Ainsi, les générations futures pourront éviter l'inconvénient d'avoir votre structure osseuse. Formidable, la porte est en panne. Il va falloir que quelqu'un la répare. Non, pas de problème. C'est encore moi qui vais me dévouer. Ne touchez à rien. Hé, hey, par ici, là-haut. J'ai trouvé des œufs d'oiseaux là-haut. Je les ai lâchés dans le mécanisme de la porte. Ça l'a coincé l'office. J'ai... Ah ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Bon, c'est sûrement l'oiseau, pas vrai ? Celui qui a pondu les œufs. Bon, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on va partir d'ici et très bientôt. Parole de Whitley. Il faut juste que je trouve comment. Il y a forcément un moyen. La voilà ! Continuez les tests. Et surtout, on s'est jamais vus. J'ai eu une petite conversation avec la console des portes. Disons que son processus a été terminé. Bref, reprenons les tests. J'ai eu une petite conversation avec la console des portes.
Disons que son processus a été terminé. Bref, reprenons les tests. J'ai eu une petite conversation avec la console des portes. Disons que son processus a été terminé. Bref, reprenons les tests. J'ai eu une petite conversation avec la console des portes. Disons que son processus a été terminé. Bref, reprenons les tests. Je vais même le porter à votre dossier, dans la section mention spéciale. Oh, comme c'est vide. Performance satisfaisante, dans l'ensemble. Le prochain test contient des tourelles. Vous vous en souvenez ? Les choses pâles et froides remplies de balles. Ah non, ça c'est vous dans 5 secondes. Bonne chance. Vous êtes toujours là. On va faire le test. Oh oh. Pour maintenir un cycle de test constant, je simule la lumière du jour à toute heure et j'ajoute des vapeurs surrénales à votre arrivée d'air, histoire de brouiller votre perception du temps. Au fait, hier c'était votre anniversaire. Bon anniversaire!
vous vous rappelez que je vais vivre éternellement et que vous mourrez d'ici 60 ans? En fait, je développe un cadeau d'anniversaire en retard. Enfin, plutôt, une procédure médicale d'anniversaire. Bon, une expérience médicale d'anniversaire, si on veut être exact. Ce qui compte, c'est que c'est un cadeau. Votre combinaison vous donne l'air stupide. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est marqué dans votre dossier. Elle va très bien à d'autres personnes, mais un scientifique a noté qu'elle vous donne l'air stupide. Bien sûr, un vieil ingénieur barbu et la mode, ça fait deux. Il est sûrement... Ah, mais attendez, c'est une femme. N'empêche que... Ah non, attendez, elle est docteur en sciences. En sciences de la mode. Vous êtes toujours là. Qui êtes-vous? Fermeture. Je ne vous aime pas. Posez-moi. Je parcours la liste des sujets de test en cryostase. J'ai réussi à en trouver deux qui ont le même nom que vous. Un homme et une femme. Comme c'est intéressant, le monde est petit. Après le prochain test, j'aurai une surprise pour vous. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais... Voici un indice. Vous y retrouverez deux personnes perdues de vue. Déploiement. Ce nouveau test aurait été conçu par l'un des prix Nobel d'aperture. Quelle découverte lui a valu un prix, je l'ignore. Mais sûrement pas l'immunité aux neurotoxines. Thank you.
Vous vous dites sûrement que j'ai oublié votre surprise. Au contraire, nous sommes justement en train de nous en approcher. Après toutes ces années, j'en suis tout émue.